Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance jambes, donc on va commencer par s'échauffer. Allez, on commence avec la tête, on fait des cercles dans un sens. 3, 4 et 5 dans l'autre sens. Faites bien des mouvements amples et contrôlés. On passe aux épaules, et des grands cercles avec les bras. Arrière, 2, 3, 4, et on relâche, on tend les bras en dessus, au dessous, 2, 3, 4, et on relâche, on passe au poignet, dans l'autre sens, on relâche, allez, rotation du buste. Au bassin, bien large, 2, 3, et 5, dans l'autre sens, 2, 3, et 5, on enchaîne, on enroule les jambes vers l'arrière, 4, et 5. On passe aux genoux, les pieds joints, les petites flexions. 5, petite rotation dans un sens et dans l'autre sens. Ensuite, on termine avec les chevilles, des rotations. On change de sens. L'autre cheville. C'est bon, relâche. Pour continuer l'échauffement, on va faire 3 exercices, 10 répétitions de chaque, 2 fois. Donc, le premier exercice sera celui-ci. Le deuxième exercice, pour travailler le gainage, je vais tendre bras droit et jambe gauche, et inversement. Et troisième exercice, jumping jack. Allez, c'est parti. On est parti pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Des orteils. Ensuite, le deuxième exercice. On des pieds larges et je viens faire un saut. On pareil les genoux, action des orteils, parfois à l'intérieur. Fais attention. Allez, on se prépare en 3, 2, 1. On y va. J'expire par le nez, j'expire par la bouche. Fais toujours attention à sa posture, l'objectif. Prépare arrière et coup de genou. Et on pose.
qu'on a besoin. Allez, on se prépare pour le kiss, front croisé, croisé derrière, descend, attention à rester. Les orteils. Préparé pour les squats sumo, ils sont plus larges que les épaules, d'ailleurs, les jambes, les genoux, traction des orteils, ça travaille au niveau des adducteurs, allez encore, 5 secondes, 3. On va partir pour un deuxième tour, on se prépare, en 5, 3, 2, 1, et c'est parti, allez, on enchaîne, ça chauffe, c'est normal.
Allez, c'est le dernier. On tient jusqu'au bout. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, on descend un peu les jambes. On marche un peu. On prend un peu d'eau. Et on se passe aux étirements. Allez, on se met au sol. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche à l'intérieur. On garde le dos droit et on descend sur la jambe tendue. Dès que je sens que ça tire, je maintiens. Je ne donne pas d'à-coups, je ne cherche pas à aller plus loin. Juste, on se détend. Allez, on change de côté. Relâche. Ce coup-ci, on tend la jambe droite devant et on va plier la jambe gauche derrière. Le talon est collé aux fesses. On vient s'incliner derrière. On doit sentir l'étirement devant la cuisse. Je me détends, je respire. Allez, on change. Position de papillon. Avec les coudes, je viens pousser à l'intérieur des cuisses. Si jamais je ne sentais pas l'étirement. Allez, on relâche. On va se mettre dans cette position, les pieds au sol, et on va rentrer les genoux à l'intérieur. Détendre les hanches. Je contrôle bien mon mouvement, hein. C'est pas juste je balance. Voilà, on relâche, on se remet debout. Allez, on va détendre le bassin. J'essaie. On récupère ses jambes. Et voilà. Bravo à tous. À vendredi.